Coucou à la team YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour As Dusk Falls. J'aimerais rejouer le jeu, mais en faisant tous les choix opposés des choix que j'ai fait avant. Là, je risque de faire des choix vraiment horribles dans cette partie-là. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Bon, eh bien écoutez, sans plus tarder, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à manger, quelque chose à boire, et on va commencer tout de suite. On va jouer la scène. Oh mon dieu, comme je vais faire le choix contraire, ça va être horrible pour la scène. Âme sensible, vous baisserez les yeux, d'accord? De quoi il parlait, hein? Quel carnet noir, au juste? Il essayait de t'embrouiller, Edel, pendant que le sniper te visait. Oh putain, je te jure, j'ai failli me chier dessus, sérieux. Je sais. Tâche de dormir. On a eu chaud. D'accord, mon cœur. Mais là, j'ai besoin que tu sois au taquet. Pas sommeil. Sinon, on va tous y rester. À son âge, je savais même pas quel bruit ça faisait, un coup de feu. Elle, elle les entendra toute sa vie. Je sais. J'arrive même pas. Elle a 6 ans, Vince. 6 ans. J'ai bossé 10 ans ici pour 3 gérants différents. Et le pire qu'on ait connu, c'est un crotal dans les toilettes. Pose-toi une seconde. Respire un coup. Alors, ce carnet? Non, salopard. Bordel, j'ai failli y rester. Tu risques rien. Oh bah attends, et l'autre, s'il avait le pistolet comme ça? Tu risques rien. Ton père a passé un scanner. Il va s'en sortir, bah... Mais il me faut ce carnet. Hey, maintenant. Tu fais quoi, toi, là-bas? Hé, hey, là, je suis la grappe. Il m'a sauvé la peau tout à l'heure. Il nous a aidés une fois. Ça veut pas dire qu'il va recommencer. Hé, hey, je dis pas qu'on devrait lâcher l'affaire. Mais tu veux faire quoi, là, en fait? On n'a pas d'hélicoptère, et cet enfoiré de Romero, il est prêt à nous buter. Je sais plus quoi faire. Oups. Baissez ce truc tout de suite. Madame, la police est en cours d'intervention. Shérif, est-ce qu'on doit l'arrêter? Sharon, t'as pas le droit de... Qu'est-ce que t'essaies de faire au juste? C'est mort. Dante, je t'en prie. Il y a mes fils à l'intérieur. Et ils seraient pas venus chez moi sans que tu sois au courant. Écoute-moi. Si tu veux qu'ils sortent, laisse-moi entrer. Centrale, attendez, il se passe quelque chose. Pardon, excusez-moi. Shérif? Sharon, t'as pas intérêt à me le faire regretter, hein? Et merde. Allez, dépêchez-vous d'ouvrir avant qu'ils changent d'avis. Qu'est-ce que tu fais là? Je me débrouillais. Je suis pas du même avis. Salut, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, mes grands. Paul? Sharon? J'espère que t'es venu pour essayer de raisonner tes fils. Vous êtes amis, tous les deux? C'est une longue histoire. Alors, comment vous vous êtes retrouvés dans un merdier pareil? C'est Romero. Il a voulu entrer. Ensuite, on a demandé un hélico. Et il nous a attirés dehors pour attaquer Dale. Je te jure, j'ai envie de tuer cette ordure. Vous avez quelque chose à dire? Non. Dites-moi plutôt... Est-ce que mes fils vous traitent bien? Attends, est-ce qu'ils ont pété les plombs à un moment? Je sais pas. Bon, pour l'instant, on va pas se plaindre, je me rappelle plus trop, j'ai pas... Ça va. On va s'en sortir. Ça va? J'ai du mal à y croire. Votre nom? Vince.
C'est un père de famille. Il sait pas se tenir tranquille. Il touche à nos flingues. Il a sauvé la vie de ton frère. Un père de famille, hein? Je vois. Tu penses peut-être que mes garçons sont des monstres. Mais quand on est désespéré, on finit par montrer les dents. Ils sont terrifiés, comme toi et moi. Je te propose un marché. Tu m'aides à protéger ma famille, et moi je t'aide à sauver la tienne. C'est d'accord? D'accord. Bien. Tyler, faut qu'on parle en privé. Cet imbécile de Dante croit que je l'aide. Dale, Jay, vous inquiétez pas. Je vais vous sortir de là. Bon, c'est quoi, Topo? Vince. Pour l'instant, j'ai vu le beeper. Dante croit que je suis là pour faire son job. Où t'as trouvé ça? Mais il va pas tarder à percuter. Vince, c'est parti en couille, moi. C'est une bonne idée. Je te jure. C'est comme je te l'ai dit au téléphone. On voulait faire profil bas, le temps que Romero en ait marre de tourner en rond. Mais au lieu de ça, il y a la moitié du comté. Il fallait bien choisir un camp. J'aime pas trop le shérif, mais... Plan B. J'aime encore moins les Holt. Dante a parlé d'un hélicoptère. Je n'arrive pas à le croire. Vince, je... C'est moi qui ai demandé. S'il te plaît. Pour se tirer du pays. J'essaie. Aller au Mexique et... Papa. Hé, ma puce. Essaie de dormir. Papa. T'as l'air effrayé. Ah bon? J'ai pas peur pourtant. Tu ressens quoi alors? Je suis fatigué, c'est tout. La journée a été rude. Tu peux poser ta tête sur mes genoux si tu veux. Je vais peut-être faire ça. Dante, c'est Sharon. Écoute-moi, nom d'un chien. Laisse tomber l'hélico. Ce qu'on veut, c'est un bus. Avec assez de place pour nous et les otages. Quoi? On les emmène avec nous? C'est plus sûr comme ça. Ouais, ouais, je sais. C'est ma faute si tu gobes n'importe quoi. Stop, tais-toi et écoute-moi. Si ça dure jusqu'au matin, la police d'État va se pointer, ou peut-être le FBI. Et on sait tous les deux que t'as aucune envie de les voir débarquer sur ton territoire. Ah, ce sera pas un problème. Rappelle-moi quand c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben... Il faut que j'aille aux toilettes. Je me suis dit que tu voudrais sans doute monter la garde. Passer devant. Alors, Jay, c'est le diminutif de quoi, au juste? John? Jérémy? Rien. Je m'appelle comme ça. Allez-y, je reste ici. Ton livre, là. Je peux regarder? Ça? Pourquoi? J'adore les oiseaux, c'est tout. Surtout les espèces exotiques, comme... Les yeux qu'il a tirés qu'on a dit j'adore les oiseaux. Le cacatoès ondulé. Ça existe pas, les cacatoès ondulés. Attends, je vais te montrer. Ah, on dirait un rangement secret. Où t'as trouvé ça? C'était au shérif. Je pensais que... Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur. Tu l'as pas fait tomber quelque part? Je sais pas... Peut-être dans la voiture. Faut que j'aille voir Tyler. Non, attends. Fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'il va dire que c'est de ta faute. C'est peut-être à cause de ce truc que le shérif est en rogne. C'est pas ma faute. C'est Tyler et moi qui ont tout planifié. Et si on gardait ça pour nous, hein? On va à la voiture, on trouve ce qu'il y avait là-dedans, et on dit rien à personne. S'il te plaît. Si je vous emmène dehors et que vous tentez le moindre truc... Je ferai rien, promis. On va à la voiture et on revient direct. Ok. Merci. Tu as fait le bon choix, Jay.
y compris pour ta famille. Est-ce qu'il va nous croire ? Une semaine plus tôt. Lapins. C'est cool. Et moi, j'ai promis à maman qu'on finirait le toit avant la prochaine grosse tempête. Tiens. Rends-toi utile. On en a remplacé la plupart. Mais j'ai besoin que tu m'en coupes d'autres. Tu vas y arriver ? Je l'ai déjà fait. C'est du pain. C'est pas dur à scier. Enfin, si tu t'y prends pas comme un manche. Ok. Quel genre de bois ta poutre là? Du coup, il va falloir que je dise qu'elle est molle. Parce qu'évidemment. Il faut une blague c'est en anglais. C'est pas du bois dur? Alors. Donc ta poutre est molle, c'est ça? Ouais, je pense. T'entends ça, Tyler? Sa poutre, elle est molle. Quoi? T'as tendu le bâton pour te faire battre. Oh, la tête qui fait. Vous êtes vraiment aussi cons l'un que l'autre. Oh, on te charrie, ça va. Relax. Hey, tu veux te shooter ? Je vais éternuer. J'ai encore des trucs à décharger. Excusez-moi. Du coup, on fait tous les mauvais choix. Hein. Désolé. Ça t'arrive de voir des trucs bizarres flotter quand tu regardes le ciel? Tu veux dire des lignes en zigzag et des petits points? Ouais, ça m'arrive. Quand je regarde les oiseaux, des fois. On était censé voir un truc là ou pas? Merci, merci. Tiens, tiens. Ah bah c'est du joli. Je vous dérange pas, j'espère. Pas. Bah, dis pas bonjour à son vieux père. Oh, et merde. La fête est finie. Hé, les gars! Vous avez fini le toit, je suppose. Vu que je vous entends glousser comme des bonnes femmes. T'as qu'à regarder. On se débrouille très bien. Quoi ? C'est toi qui as fait ça ? Non, c'est moi en fait. Arrête de sourire bêtement comme ça. T'as bien bossé, d'accord ? Mais t'as vraiment l'air d'un couillon. On serait allé plus vite si t'avais filé un coup de main. J'avais des trucs à faire en ville. Et combien t'as perdu cette fois ? Viens, Jay. T'es pas encore trop vieux pour une roast, Tyler. Eh, fous-lui la paix un peu. Fais-moi plaisir, fiston. Viens pas t'en mêler. Quand j'étais gamin et que mon paternel ôtait sa montre, je savais que c'était pour me coller une dérouillée que j'étais pas prêt d'oublier. Tiens-moi ça.
C'est pas vrai. Pourquoi vous êtes en train de vous battre cette fois? Rien. Je félicitais juste les garçons pour ce beau boulot. Je t'ai pas entendu arriver. Pourquoi? Tu voulais me dérouler le tapis rouge? Pour que tu viennes tout salir avec tes godasses? Crois-moi, j'ai autre chose à faire que nettoyer derrière toi pour la énième fois. Bon, quelqu'un va se décider à me dire ce qui se passe, nom d'un chien. Jay? J'ai attrapé des lapins. Merci, Poussin. Tu penses toujours à nous. T'es pas obligé de protéger ton père. J'ai pas assez cuisiné pour 5. Alors si tu veux déjeuner, tu te débrouilles. Pas la peine. J'ai plus faim, en fait. Jay, emmène tes lapins à l'intérieur. Je les préparerai plus tard. On arrive tout de suite. Je vais nous chercher à boire. Bonjour, petit. Je travaille pour des connaissances professionnelles de ton père. Ça sent bon. C'est une maison bien tenue, ça se voit. C'est une propriété privée. Il faut partir, monsieur. Il serait temps d'apprendre les bonnes manières, jeune homme. Je suis là pour une affaire très urgente. Laisse-moi deviner. Tu m'as l'air trop jeune pour être Dale. Et Tyler est beaucoup plus grand, d'après ce qu'on m'a dit. J'en déduis que tu es Jay. J'ai une réclamation à transmettre. Une quoi? Est-ce que ton père est là? Je l'ai pas vu de la semaine. Oh, s'il te plaît, évite de me prendre pour un idiot. Il voudrait recouvrer une certaine somme. Je peux? Non. S'il vous plaît, faut vraiment que vous partiez. Tu sais quoi? Tu es mal élevé. Et je suis à court d'allumettes. Non, pas dans la maison. Qu'est-ce que ça peut faire? Votre maison est bien tenue, mais même moi, je le vois bien. Une partie de poker de trop, et vous irez moisir dans une caravane. Les gens voient bien ce qu'ils veulent. On fait ce qu'on peut. Vois, pas voye. Ta famille te tire vers le bas. On va lui balancer l'eau bouillante à la figure, vous pensez? Écoute-moi bien, petit. Si ton pas ne paye pas ses dettes de jeu, intérêt compris, il va avoir des ennuis d'un tout autre genre. Tu vois ce que je veux dire? Attendez. Vous êtes en train de nous menacer, là? Tu comprends vite. Si ce n'est pas moi, d'autres viendront à ma place. Et eux ne prennent pas le temps d'en griller une. J'espère que tu saisis l'allusion. Dis donc, ta montre, elle a de la valeur, non? Pourquoi? Je partirai pas avant d'avoir eu un acompte. Donne-moi cette montre, et je vous aurai un délai. Allez, donne-la-moi. J'en dis qu'il en est pas question. Dégagez! T'es bien comme ton père. Toujours à faire le mauvais choix. Lâchez-moi! Tiens-toi tranquille, espèce d'avorton. Qui est cette saloperie de montre? Hey! Je
J'ai déjà dit à tes potes d'arrêter de me faire chier. Alors maintenant, tu dégages de chez moi et tu retournes dans le trou à ras d'où t'es sorti, salopard. Vous creusez votre propre tombe, Holt, et vous emporterez votre famille avec vous. On se reverra. C'est ça. Si je m'envoie ici, toi et tes crevards de copains, je vous crame vivant. Dans cette petite voiture, lol. Il a essayé de la prendre. Non. Je t'avais dit d'en prendre soin. Et tu l'as fait. Elle est à toi. À moi ? Repousser une ordure pareille, faut des tripes. Je suis fier de toi, fiston. Merci. C'était qui ? Un témoin de Jéhovah. Prends-moi pour une imbécile. Jay, c'était pourquoi ? Pour l'amour de Dieu, Jay, j'ai le droit de savoir ce qui se passe sous mon propre toit. Je sais pas. J'ai rien vu. C'est ça. Et moi, je suis Janet Jackson. Dans quel ennui t'as réussi à te fourrer cette fois ? Je vais régler ça. Et comment ? En disparaissant encore ? Bear, je te parle. C'est pas ton problème, j'ai dit. Mais c'est encore moi qui vais devoir rattraper le coup. Si tout ce que tu trouves à ramener, c'est des ennuis, pourquoi tu te donnes la peine de rentrer à la maison ? On n'a plus rien. Il arrive encore à nous dépouiller. Ça va aller, maman. Ça va aller. C'est moi ou il y a de plus en plus de voitures ? Non, il est juste en train de les faire tourner. Il a dû voir ça dans une émission. Ou alors il a 3 coups d'avance sur toi. Il joue aux échecs au lycée, tu sais. Vous êtes prêts ? Ouais. On va se faire tirer dessus. Et moi, donc. Elle est où, la voiture ? Dans le cabanon, au fond. Je vais sur le toit, tirez pas. Même pas peur. Ça va le faire. Il éteint pas les projecteurs. Ouh. Presque. C'est là. Désolé, je viens de voir le message. Merci, shérif. C'est bon. Ça va ? Je pète la forme. Dis, t'étais assis où ? Un peu partout. Vous regardez à l'avant, je cherche à l'arrière. Je me demande si on regarde sous le siège, est-ce qu'on trouve quelque chose ? Ah, c'est dégoûtant. Ok, bon, tant pis. Te voilà. C'est ça qu'il voulait, le shérif ? Ah, y a que des chiffres. Département de l'eau et de l'énergie, $12,000.
et 8000 dollars pour une agence immobilière dans l'Est. Il y en a des centaines comme ça. C'est quoi, des pots de vin? Hé, hey, est-ce que ça va? C'est rien. C'est juste... toute cette merde qui nous est tombée dessus. Vous, moi, le shérif, ma famille... Si vous saviez ce que j'ai vu depuis quelques semaines, ça me donne envie de vomir. Tu peux pas prendre un car Greyhound, histoire de changer d'air? Si seulement c'était si simple. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose, mais de vous dire que c'était pas fait pour vous? Bien sûr. J'étais mécanicien d'aéronef avant. Je réparais des Boeing 747, des petits Cessna, tout ça. Mais quand j'étais petit, les avions, je me voyais plutôt les piloter. En fait, je voulais même devenir instructeur de vol. Qu'est-ce qui vous a retenu? Je sais pas. J'ai fondé une famille et ça m'a rendu vraiment heureux. J'ai peut-être oublié ce rêve-là parce que j'en ai trouvé un autre. Mais vu comment ça s'est fini, je me dis que j'aurais peut-être dû essayer. J'ai toujours eu envie d'être garde forestier. Je voulais aller là où il y a tous les geysers. Comment ça s'appelle déjà? Yellowstone. Ouais, voilà. Ça doit être tellement cool de voir l'eau jaillir dans les airs. Tu sais quoi? On va survivre à cette nuit. Et peut-être qu'on aura l'occasion de repenser à ce qu'on veut faire de notre vie. Il faut qu'on y retourne. Je l'ai. Dans la boîte aux lettres. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, rien. C'est juste... C'est... Oh, oh. Man, faut que tu viennes voir ça. Il est en contact avec le shérif. Vince, donne-moi le carnet. Écoutez, si je lui rapporte pas ce qu'il veut... La vache? C'est quoi tout ça? J'arrive pas à croire qu'il ait tout noté. Je veux reparler au shérif. Je sais, je suis en plein dedans. Dante, c'est Sharon. On vient de choper la taupe que t'as voulu nous envoyer. J'ai récupéré ton carnet noir, et je vais me faire un plaisir de faxer des pages aux journalistes. Sauf si tu m'envoies ce foutu bus dans la demi-heure. Il arrive quand, le FBI? Dans moins d'une heure. Très bien, Sharon. T'as gagné. Vous êtes sûr, chef? On peut encore attendre. Faites-moi venir ce bus. T'aurais pas dû venir. C'est trop dangereux. Ces flics-là, ils tirent d'abord et posent des questions après. Pourvu qu'elle continue sa nuit. Ça devrait plus tarder. Et s'il nous arrive quelque chose, Vince? Bon, on va où une fois dans le bus? À la frontière, en croisant les doigts pour qu'on n'ait pas à s'arrêter. Ils n'ont aucun intérêt à nous faire du mal. Si on m'avait dit qu'on ferait un road trip... T'as raison. On va s'en sortir. J'ai réfléchi à l'accord qu'on m'a proposé. La clause de discrétion, l'argent en échange de mon silence. Ah oui? Si on sort d'ici vivant, je sais ce que je veux faire. Je vais signer les papiers et accepter le chèque. T'avais raison. Il est temps de tourner la page. Non, je... J'aurais pas dû te mettre la pression. C'était moi qui voulais tourner la page. Écoute, ce qui est arrivé, c'est du passé. Je peux rester là à me morfondre ou profiter de ce chèque pour nous offrir une nouvelle vie, tu comprends? Je crois que c'est une bonne idée, oui. Tu veux dire qu'on va juste quitter le pays
On pourra pas rentrer chez nous alors? Vince. Sois pas con. Tu te rends pas compte qu'il est encore pour rentrer chez nous? Je suis désolée, Jay. Je sais que tu m'as pardonné pour... Bruce. Mais... Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que notre couple va résister? Y a rien de tel qu'une prise d'otage pour faire le point sur ses sentiments. Je t'aime. Oui. C'est sûr que ça fait relativiser. Je t'aime aussi. Tu le sais. Oui, je sais. Allô? Jessica est là? C'est Dale. Dale Holt? Non. Celui qui s'est fait choper en train de voler. Ouais, c'est moi. Eh, dis-moi, j'ai vu que tu bossais au débit de boisson, et... Il y a un bar pas très loin, tu sais, celui avec le billard et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et bref, je me demandais... ça te dirait pas qu'on y aille ensemble, un de ces quatre? Ben, elle va dire non. Ok, cool. Quoi? Je passe te prendre. Hein? Ok, tout le monde debout. Allez! Ouvrez vos oreilles. Notre seule chance de sortir d'ici ce soir, c'est ce bus. On place les otages aux fenêtres et on se met au milieu. T'es sûr de ton coup? Je vais pas te mentir. Je suis sûr de rien. Mais je sais de quoi cette famille est capable. Pourquoi est-ce que le châssis est si bas? Hein? Mm-hmm. Restez pas là! Le bus est ouvert. Je répète, le bus est ouvert. Allez, neutralisez-les! Jay! Lève-toi! Jay! Une semaine plus tôt, dans le comté de Turok. J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital. Habille-toi. T'en fais pas. Je vais t'emmener le pas. Merci d'avoir rien dit à ta mère pour la dette. Ça m'a fait de la peine de lui mentir. Je sais bien. Mais t'as fait le bon choix. Même si t'en as pas l'impression. Elle croyait qu'elle pouvait m'aider à m'en sortir, tu sais. Tout ce qu'elle voulait, c'était un bon mari qui l'aime en retour. Personne va finir tout seul. Et surtout pas ta mère. Alors, quand une femme comme ça dit qu'elle voudrait que tu dégages... Eh ben, tu finis par te demander si elle a pas raison. Peut-être que ma famille a plus besoin de moi. C'est pas vrai. J'ai besoin de toi, moi. Peut-être. Mais avoir besoin de quelqu'un, c'est une chose. L'apprécier, c'en est une autre. Ça fait un moment que je suis plus le bienvenu.
Tourne ici. C'est de l'autre côté, l'hôpital. On va pas à l'hôpital. Hein? Fais ce que je te dis. Dis pas... Comment tu t'es blessé à l'épaule, au juste? T'es un bon gars. Je sais bien qu'il faut pas avoir de préféré, mais... Tyler ressemble trop à sa mère, et... Et Dale, il tient trop de moi. Toi, t'es différent. Je peux te parler, fiston. Je te fais confiance. On s'est arrêté là. Y a un... Aide-moi à sortir cette bâche de la benne. C'est bizarre. Une bâche? C'est lourd. Pas. Y a quoi là-dedans? T'es prêt? On soulève. Continue. Allez. Il est mort? Jay, je veux que tu m'écoutes. T'as entendu ces menaces, toi aussi, non? J'étais venu lui dire deux mots. C'est tout. Il m'a attaqué. Alors je l'ai tapé aussi. Mais trop fort. Il s'est cogné la tête en tombant. J'ai pas fait exprès de le tuer, mais j'ai paniqué. C'est quand même ta faute s'il est mort? Non! C'était lui ou moi. J'ai voulu vous protéger. Je sais bien que t'en as pas envie. Mais c'est trop tard pour faire demi-tour. Fais-le pour moi, mon grand. Ces gens-là, c'est des requins. Montre-leur une goutte de sang et ils te bouffent tout cru. J'aurais dû lui donner la montre. C'est pas n'importe quelle montre, fiston. Je te l'ai dit. Je la tiens de mon vieux père. Et maintenant, c'est la tienne. Alors prends-en bien soin, mon grand. Bon. Voyons s'il a du fric sur lui. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Il avait une famille? Moi aussi. Ça l'a pas empêché de s'en prendre à moi. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Creuse. S'il te plaît, tu peux pas me demander ça. Jay, écoute-moi. Personne ne le retrouvera jamais. Si on fait rien, ses employeurs vont... S'il te plaît, je te demande pas ça pour moi. Pense à ta mère. Pense à tes frères. T'es le seul en qui je peux avoir confiance. Attrape cette pelle. Oh, purée. J'ai jamais raconté cette histoire à personne. Mais quand j'avais la moitié de ton âge, j'ai eu un jeune cheval. Un poulain magnifique. Je le montais tous les jours. Et puis un été, il m'a jeté à terre. Il s'est mis à ruer et à mordre. J'ai eu de la chance de pas exister. Le lendemain, mon père me tend son fusil et il me dit... Quand un animal tourne mal, y a rien à faire à part l'achever. Je sens encore le whisky dans son haleine. Il tient le cheval. Il compte jusqu'à trois.
J'appuie sur la détente. Ça ira comme ça. Je l'ai détesté pendant des années. Mais j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Fallait le faire, fiston. C'est... T'étais... T'étais qu'un enfant. Tu prends ses bras, je prends les jambes. On le balance dans le trou. Bon, faut le recouvrir avant que le jour se lève. Aidez-moi. S'il te plaît. Enterre-le. Fais-le, Jay. Vas-y, Jay. Enterre-le. Désolé. Il vous retrouve. Soyez accrochés parce que c'est pas fini pour la team YouTube. T'as l'air d'en avoir besoin. Évidemment, vu qu'on prend toutes les mauvaises décisions, allez. À celui qui tombera le dernier. Tu prends bien soin de la montre de ton grand-père, hein? Cette montre, elle donne l'heure au Holt depuis la Grande Dépression, quand même. Garde-la précieusement. Ce que je t'ai demandé de faire cette nuit, ce que t'as dû faire, c'était pas juste pour moi. C'était pour nous tous. Je sais que je suis dur avec toi, des fois. Peut-être que je suis qu'un bon à rien. Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices, Jay. J'ai fait la guerre. J'ai réglé son compte au type qu'on a enterré ce soir. La famille, ça demande des sacrifices. Même pour un vieil ivrogne comme moi. Pas si mauvais que ça, quand même. T'as des bons côtés, aussi. C'était peut-être vrai, avant. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Ces menaces, c'était du sérieux, hein. Les gens qui l'ont envoyé, ils vont venir s'en prendre à nous. C'est à moi qu'ils en veulent. Mais je leur laisserai pas ce plaisir. Bon, allez. Va te coucher. Je vais réparer le toit que vous avez foiré, toi et tes frères. Sharon, t'as pas toujours eu raison, mais tu t'étais pas trompé sur mon compte. Fais marcher l'assurance, elle comblera la dette. Pardon pour tout. Pas ! Pas !
Laisse-moi faire. S'il te plaît. Le choix le plus stupide. Je savais qu'il avait ses démons, mais nom de Dieu, Hubert, pourquoi tu m'as rien dit? On aurait pu arranger ça ensemble. Son assurance, elle marche pas en cas de suicide. J'espère qu'ils sont au courant. On a une semaine pour régler la dette. Après ça, ils prendront la maison, les bagnoles, et ils finiront par s'en prendre à nous. Elle est ancienne. Elle a de la valeur, je crois. Zieux machin. C'est du toc, crois-moi. Il a même pas réussi à la refourguer. C'est ma faute. J'aurais dû vous dire pour sa dette. Non. Ne dis pas ça. Poussin, c'est pas ta faute ce qui nous arrive. Vous voulez mon avis? On n'a qu'à braquer la banque. Pourquoi pas? Si on s'y prend bien. Hé, hey, pas si vite. Personne n'ira braquer la banque. C'est trop risqué. Par contre, j'ai peut-être une autre idée. Ah, derrière le comptoir! Quelqu'un pour me couvrir! Attention! Rendez-vous! Vous êtes encerclés! Abattez-les! Abattez-les! Venez, abattez! Tirez, allez! Qu'est-ce qu'on fait? Restez derrière moi! Attention! Faut qu'on atteigne la voiture! Michel! Zoé! J'arrive! Merde! Merde, merde, merde! Viens par ici! Lâche-moi, espèce de connard! Oh. Dale! Non! Sortez et gardez les mains en l'air! Espèce d'enfoiré! Zoé, t'es blessée. C'est pas moi. Regarde. Vince. Je vais te tirer de là, ok? Vince, fais vite. Est-ce qu'elle va faire? Tenez bon. Ok, ok. Bon, c'est fini. On peut rien faire. À trois, d'accord? Un, deux... Seigneur, pourvu que ça marche. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'improvise. Oh merde! Parez-vous! Parez-vous! Vite! Vite! Tout le monde va bien? Ça va, t'arrêtes pas! On n'est pas tiré d'affaire. Papa, j'arrive pas à respirer. Tout le bâtiment est en train de cramer. J'espère que Paul a pu sortir. Par où on sort? Il y a une fenêtre. Allez, ouvre-toi. Sans prix.
Restez pas là-dedans! Vite! Tout va cramer! Il va falloir qu'on saute! C'est trop haut! Je vais me faire mal! Je vais passer en premier, d'accord? Bon, ça va être à toi de jouer. Et pas de triple salto, hein? Je te connais. Je t'ai déjà dit à quel point j'adore tes blagues débiles. Je t'ai déjà dit à quel point... Bon, on va faire une blague alors. Je sais mettre une ambiance de feu. Oublie pas mon cœur. Je suis là. Ok, ma puce. T'es prête? Je veux pas, s'il te plaît. Le feu se propage à l'escalier. Il faut qu'on y aille. Et vite. Allez-y, Joyce. On est juste derrière vous. Attention! Est-ce que ça va? Sortez! Je vais chercher une autre issue. La salle de bain, au bout du couloir. On se retrouve en bas. On va courir. On retient notre souffle. Bonne idée. Je vais devoir te soulever. Je sors juste après toi, promis. Tu vas passer? Je suis pas si gros que ça. Prête. Et hop! Grimpe sur mon dos. Accroche-toi bien. Vite, éloigne-toi des flammes. Quelle nuit d'horreur. Je veux retourner à la maison, à Sacramento. Si on n'était pas venu ici, ce serait jamais arrivé tout ça. Peut-être, oui. Mais maman va s'en sortir. Et papy nous attend dehors. On sera bientôt tous ensemble. Je te le promets. Tu le jures? Juré. Viens, ma puce. Sharon Holt, elle a mon carnet. Vous... Vous nous avez envoyé un bus dans la tronche. Et tout ça pour... récupérer votre carnet. Non, Viz. J'ai changé les règles du jeu, c'est tout. Comment je pouvais savoir que les Holt allaient faire un barbecue géant? Ça en mettait plein la vue. Faut le reconnaître. Tu sais, parfois, il faut secouer un peu le berceau pour faire taire le bébé. Shérif, ici Coburn. Vous êtes toujours derrière? Est-ce qu'il vous faut des renforts? Un instant, Coburn. Je te remercie d'avoir voulu aider. Tu sais, cette ville n'est rien sans moi. Même mes adjoints les plus loyaux évitent de poser trop de questions, tu vois. Ce carnet pourrait faire tomber beaucoup de têtes. Y compris la mienne. Alors... Disons qu'on est quitte. Hmm? On va faire genre. Zoé, va-t'en. Tout ce qu'on voulait, c'était un endroit où se cacher. Et maintenant, mon frère est mort! C'est pas notre faute! Bah oui, c'est pas de notre faute à nous. Qu'est-ce qui lui prend à lui? Tu t'es pris pour Bruce Willis, hein?
Le flic qui bat toujours les méchants, c'est ça? Tu sais quoi? T'es qu'un petit gros qui aurait mieux fait de la fermer et de se mêler de ses oignons. Mais même ça, t'as pas été foutu d'y arriver. Monsieur. Oh non, 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 non. J'ai arrêté. C'est pas fini. Descends-le, Jay. Vas-y! Qu'est-ce que t'attends? Il était prêt à me tuer. Je suis ton frère. Je fais partie de ta famille. Si tu fais ça, tu deviens un meurtrier. C'est vraiment ça que tu veux? Il a déjà tué quelqu'un. La famille, ça demande des sacrifices. J'ai déjà fait trop de sacrifices. Ah bon? T'es vraiment pathétique, Jay. T'as rien d'un Holt. Si, il est plus sensible, c'est tout. Jay, donne-moi ce flingue. Non! Lâchez-moi! On va faire ouvrir le portail et démarrer la voiture. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Tu crois que ça m'amuse? Moi aussi, j'ai été une petite fille. Mais aujourd'hui, j'ai une famille. Et avec elle dans la voiture, les flics oseront pas tirer. S'il vous plaît, je veux pas partir. Attendez, il vous faut un otage. Emmenez-moi. C'est ça, ouais. Après toutes tes conneries. Non, faut qu'on y aille. Attendez, écoutez-moi. Écoutez. Je suis pas avocat, mais l'Arizona applique la peine de mort, non? Si vous emmenez Zoé et qu'il lui arrive quelque chose, vous n'aurez aucune chance de vous en sortir. Mais si c'est moi, que je viens de mon plein gré, qui sait? Ils penseront peut-être même que je suis dans le coup. Il n'a pas tort. Ok, mais faut y aller maintenant. Tu peux y aller. Oh, ma puce. Bon, amène-toi maintenant. Je dois y aller, ma puce. T'en vas pas, s'il te plaît. Occupe-toi bien de maman pour moi, tu veux bien? D'accord. Hé, si jamais je reviens pas, ne cesse jamais de défendre les gens que tu aimes. D'accord. On y va. Tiens. Tiens, pour voir dans le noir. Je t'aime, Zoé. Je t'aime grand, grand comme l'univers. Dites-moi que vous êtes les renforts. Lawrence Bradley, FBI.
Bordel. C'est un vrai carnage. On a trouvé le shérif inconscient. Tous les autres ont été pris dans l'explosion. Quatre agents sont morts, et d'autres risquent de succomber à leurs brûlures. Et aucune trace des criminels. Faites décoller un hélicoptère. Va doucement jusqu'à ce qu'on ait passé les rails. Je te jure, si Bear nous voyait... Arrête de parler de lui. Tout ça, c'est à cause de ses conneries. Il a été lui-même jusqu'au bout. On voit où ça nous a menés. Je voulais pas en arriver là. Moi non plus. Jay, regarde la route. Ce que je recherche, c'est cette zone où tout s'obscurcit, où les pensées cessent et les souvenirs meurent. Vous entendez ? Plancher. Vous avez vu la fumée avec les voitures? Ça rentre bien. Qu'est-ce que je fais? Ça va le faire. Continue de rouler. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. J'ai quelques secondes de paix. Et puis l'instinct prend le relais. Souvenir pour tout oublier. Pas juste le motel, mais tout ce qui s'est passé après. Je ne vais pas beaucoup dormir ce soir, comme d'habitude. Je réessaierai demain. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Et voilà, on a fini le chapitre 3. Alors attendez, valeur, la famille avant tout, reste fidèle à sa famille quoi qu'il en coûte. Très fidèle, soutient les autres dans les situations difficiles. Bon. Je vous rappelle que ce n'est pas moi, en vrai, vu que les décisions que je prends là, c'est pas les décisions que je prendrais à la base. Qu'avez-vous pensé du jeu, la team YouTube aussi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous quel choix vous auriez fait. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la team Twitch si vous voulez être avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, je vous remercie d'être venu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si jamais vous voulez me soutenir, ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment, prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à bientôt, bisous bisous.